Tu vois, enfin pour les vaches, que c'est une mort agréable? Agréable, je ne sais pas si la mort peut être agréable, mais je trouve que c'est une mort instantanée, très rapide. Elles ne voient rien arriver, elles ne savent pas du tout ce qui va leur arriver. Mais le cœur, il bat toujours, hein, dedans, les gens ont le cœur, mais le reste, c'est déjà, disons, paralysé, quoi, on peut dire, voilà. Vous faites une croix imaginaire entre la corne droite et l'œil gauche, et puis la corne gauche et l'œil droit. Et puis le point de rencontre, c'est là théoriquement qu'il faut placer la charge, la balle. Une fois que la bête est étourdie, qu'elle est saignée, c'est devenu de la viande. Alors le cœur va arrêter de battre par, j'entends, manque de sang. Mais cette opération se fait sans conscience de l'animal. Et ça, c'est primordial. Alors, les abattoirs publics ont été créés au début du siècle parce qu'il fallait, par des mesures d'hygiène, par des mesures de contrôle de la viande, de salubrité de la viande, faire en sorte que les tueries particulières que chaque boucher avait derrière son magasin disparaissent au niveau des villes. Alors, dans notre établissement, nous travaillons essentiellement plusieurs types d'animaux, bovins, veaux, porcs, agneaux. En ce qui concerne les bovins, nous avons en gros une moyenne de 500 têtes de gros bétail par semaine. Ça représente environ 125 tonnes semaine, 125 000 kilos. Qu'on est considéré comme des tueurs, qu'on est les tueurs de l'abattoir de Lausanne. Ça fait assez spécial comme carte de visite, c'est ouais. Vrai. Non, non, non. C'est ça, il y a un défaut sur les animaux, parce que ils m'ont rien fait. Disons, il ne peut pas parler, il ne peut pas m'engueuler, alors je ne sais pas pourquoi je dois défouler sur les vaches. Si. Maintenant, pour ce qui est de l'abattage des porcs, ça c'est ce que je vous dis, vous allez me trouver sanguinaire. Mais ce que je préfère dans l'abattage des porcs, c'est le fait de saigner l'animal. Vous plantez le couteau juste dans la gorge, là, et puis vous devez couper exactement à l'endroit où deux artères se croisent, les deux artères principales se croisent. Et puis là, quand vous grossissez vraiment bien votre truc, vous avez la pression du sang qui sort, et puis ça sort comme si vous aviez ouvert un robinet. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Ça fait un peu sanguinaire d'expliquer ça comme ça, mais c'est vrai, c'est un truc que j'aime bien faire. Comme on peut dire... Tuer, étourdi, c'est pas impressionnant, quoi. C'est comme, disons, un type qui va ramasser du chenille par terre, n'importe quoi. C'est un métier comme un autre. Émotivement, je dirais que non, ça n'a pas un gros impact. J'entends donner la mort et tout. Émotivement, non, ça n'a pas un gros impact. Du fait que, bon, moi, j'aime faire ça. Donc, le côté émotif, c'est que ça me plaît parce que j'aime faire ça. Mais autrement, j'entends. Émotivement, le fait de donner la mort à un animal, je l'ai fait depuis que j'ai, je sais pas, 10, 12 ans, j'entends, que j'ai fait mes premières mises à mort. Non, ça me touche pas. Disons, moi, je pense que la mort, tout le monde va mourir une fois. Pas deux fois, mais il faut mourir une belle mort. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait de faire partie de cette équipe d'abattoir, cette équipe de tueurs en somme, quoi. C'est ça qui m'a le plus impressionné. Et puis c'est vrai que le premier soir que je suis rentré à la maison, j'étais content d'aller me coucher parce que c'est quand même assez pénible.